to Tunisia. This is my first time come here, but I love this country. Very, very beautiful, very, very nice. And also today, it's very happy for me to meet so many staff together here. I think there are so many staff in the future of the digital economy in the country for the Tunisia. Camune est une plateforme mobile à disposition des petits commerçants, donc du commerce traditionnel, distribuant des produits de grande consommation. Mmh. Et notre mission et objectif est de leur permettre de moderniser leur business. La première étape étant le réapprovisionnement. Mmh. Donc nous avons gagné, on est très contents, la première place avec, dans le programme Huawei Spark. Et ça tombe, c'est très à propos puisque l'année 2023 va être une année de scale, c'est-à-dire l'année où on va essayer d'aller conquérir d'autres marchés, de partir sur une hypercroissance dans notre marché cœur qui est la Tunisie. Et aussi évidemment, ça va de pair, la mise à niveau et le développement de notre technologie. Donc nous sommes très contents de ce prix-là. Et nous remercions toute l'équipe de Huawei. CEO de FabSkill, احنا FabSkill c'est la digitalisation des process de recrutement كيفاش نسهلوها لي ريكروتور مسيره ولا لي كانديدا مسيره. Deuxième prix Huawei, c'est exceptionnel, c'est excellent, مع le cloud, مع le cash prize. There is Christian Rai. Aujourd'hui, on a eu le 3e place de Spark Programme de Huawei. Et grâce à ce prix-là, on va avoir une bouffée d'oxygène pour lancer notre expérience dans le port unique de Carthage pour le premier site en Tunisie. Et par la suite, d'autres sites à l'international, et au MENA Region et en Asie. Très ravi aujourd'hui d'être là pour la cérémonie de clôture du programme Spark, ce programme qui vise à soutenir les startups en leur donnant plusieurs moyens comme les accès cloud, comme des formations, comme de l'accompagnement pour améliorer leur business case. Et surtout pour les trois premières sociétés ou startups sélectionnées, elles auront besoin de beaucoup d'avantages en termes financiers parce que la première startup va bénéficier de 15 000 $, la deuxième de 10 000 et la troisième de 5 000 $ de subvention. Et aussi une participation à des événements majeurs dans le monde avec Huawei pour une mise en relation avec les partenaires, les clients et les bailleurs de fonds que Huawei peut leur mettre à leur disposition.